Le Wado-ryu, un style de karaté avec près de 20 000 licenciés au sein de notre fédération et dûment reconnu à travers le monde. Ce stage national a été organisé pour la seconde fois par notre fédération, après le succès du premier qui avait été objectivement une grande satisfaction pour tous les organisateurs et bien sûr les intervenants technico-techniques. À ce titre, je me dois de citer les personnes qui ont été à la genèse de ce grand rassemblement, donc nos techniciens, nos hauts gradés français dans ce style-là, qui ont collaboré ensemble. Patrice Belriti, Otsuka Kazutaka, Bruno Horiez et bien sûr Michel Muller, tous des grands pratiquants en Wado-ryu. Ce grand rassemblement, il a été organisé par la fédération qui a le devoir de fédérer. Et à ce titre, dans le cadre de la vie associative d'une association ou d'un style chez nous, par exemple, il est important d'y avoir aussi de la convivialité. Et je crois que vous retrouverez dans cette séquence, vous y retrouverez la convivialité du déjeuner le midi qui a été organisé par notre organisation, où on y voit de la convivialité, de l'amitié et la passion en commun, bien entendu. Voilà. Je vais parler un petit peu de ce rassemblement et comment il a été créé. Effectivement, moi, ça fait 48 ans que je fais du karaté. J'ai commencé avec Hiromu Suzuki, qui était le responsable Wado-ryu et tout le monde suivait son groupe. Et quand il a décidé de créer le Yosekan Budo, on s'est retrouvés un petit peu comme des orphelins. C'est Patrice Berliti qui a repris la suite, heureusement. Mais en fin de compte, le problème, c'est que tous les groupes, tous les gens qui travaillent avec Hiromu Suzuki se sont scindés dans plusieurs directions sous l'influence d'organisations internationales. Et ce qui fait que depuis très longtemps, les gens se boudent, les gens ne s'adressent plus la parole. Et puis il y avait peut-être à l'époque des égos un petit peu trop forts. Et puis les gens vieillissant, on dit que la sagesse vient avec les années. Et que j'ai rencontré Moshizuki une dernière fois il y a quelques années et il m'a dit c'est dommage qu'on ne puisse pas regrouper tous les Wado autour de Kazutaka Otsuka, Patrice Berliti, etc. parce que et faire une grande famille. J'ai dit Hiro, c'est pas encore le temps, c'est pas le moment. Et puis parfois la vie nous réserve des surprises agréables, parfois funestes. Il y a eu le décès d'Hiroji Fukazawa, c'était une très grande peine. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Kazutaka Otsuka en France. Donc ça, c'était une grande joie. Et puis, en discutant avec lui, il me dit, écoute, pour quand on pourrait faire ça? Je lui dis, maintenant, il faut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui passent des hauts grades, des sixièmes, des septièmes, etc. Et il faut absolument qu'on fasse quelque chose, c'est maintenant. Il m'a dit, écoute, Michel, ton idée, elle est très bonne, mais par contre, moi, je ne fais rien, c'est toi qui fais tout. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé à la fédération, j'ai parlé avec tous les hauts gradés, et j'ai réuni beaucoup de hauts gradés dans le bureau de notre président national pour pouvoir trouver une entente. Les gens se regardaient en chien de fusil, les gens n'avaient pas forcément confiance les uns envers les autres, et puis on a quand même décidé de créer ce premier collège des hauts gradés. Et ce premier rassemblement où l'année dernière il y avait 450 personnes. Et en fin de compte, on a ouvert à ce moment-là une petite porte. Et avec ce deuxième rassemblement et ce deuxième collège des ceintures noires, là, on est passé tous à travers cette porte. Et c'est vrai que maintenant, il y a une confiance, je dirais pas absolue encore, mais vraiment une confiance entre tous les hauts gradés qui viennent de toutes les obédiences. Et ça, pour moi, et pour les autres, et comme pour Patrice et pour Kazutaka Otsuka, c'est vraiment une grosse réussite. Oui, alors pour moi, c'était très intéressant aujourd'hui de venir à ce rassemblement Wado, parce que ça permet de bénéficier de l'enseignement de grands maîtres et puis d'approfondir ce que nous faisons en club. D'ailleurs, je suis venue aujourd'hui avec mon professeur Marie-Antoinette Julliard du Cassé à Aulnay. Et ça nous a permis de rentrer dans le détail de certaines techniques que nous apprenons dans le club. M'embrasses pas. Thank you.
Voilà, c'est Kion Kumite, c'est plus comme technique entre jiu-jitsu et karaté. Maintenant, le karaté se développe comme le sportif. Bien sûr, le sportif nous perd beaucoup de techniques profanes. On chaîne. Comme ça, avec nous étudier Kion Kumite aujourd'hui, c'est encore étudier la technique d'origine de karaté et jiu-jitsu. De mélanger avec mon grand-père. Ça, c'est parmi les plus différentes directions pour le karaté, je pense. Hein. Que maintenant le karaté, comme je dis, sportif, il est parmi quelques techniques, mais c'est pas beaucoup. Mais en comparé au traditionnel karaté, il y a beaucoup de techniques. Ça, c'est juste étudier que de sportif nous manquait. Pour moi, c'est dommage. Le karaté, c'est plus beaucoup de différentes techniques. Ça, je voudrais montrer petit à petit en France. Quelques jours, peut-être quelqu'un qui peut développer, utiliser cette technique pour la compétition. Ça, c'est le futur. Okay. Cette technique, si maintenant, c'est légal, c'est le mettre parmi nos limitations pour la technique. De changer le légal, peut-être il est possible pour utiliser quelques techniques de. Comme tout à l'heure, ils travaillent par deux. L'idée, c'est de faire comprendre toujours des principes sur lesquels, où, en fait, on va s'apercevoir que le placement du corps est un élément essentiel. Le placement du corps l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire par rapport à l'adversaire, par rapport à l'attaquant, partenaire lorsqu'on est dans ce cadre-là, eh bien, va tout d'un coup donner une technique qui va être efficace parce que sans force. Et c'est pour ça que le Wado Ryu souvent a été pratiqué par des femmes. Car justement, on pouvait, par rapport à un placement, par rapport à une justesse d'observation, on pouvait utiliser la force de l'autre aussi. En attendant, vous avez pu voir dans la démonstration que simplement en se positionnant, en esquivant, en se positionnant, il arrive à mettre l'autre hors de combat. Alors là, on est en train de voir une attaque qui est ritualisée par un mouvement d'avant en avançant sur un maïté, c'est-à-dire un coup de poing de la jambe avant. Et Zutaka Otsuka, vous voyez, l'esquive, ce qui est caractérisé quand même par une souplesse. On dirait un peu un félin quand même. Hein. Vous l'avez vu, il écarte et en fin de compte, il va se servir progressivement du point d'arrivée. Voilà, c'est-à-dire que dans le même temps où la personne va poser son pied, il va le faire tomber. Il va le faire tomber parce qu'il le déséquilibre. Là, vous le voyez sous un autre angle. Il va le recommencer. Voilà. Vous avez vu le travail de l'esquive. Et ensuite, tout s'enchaîne naturellement parce qu'il prend possession, en fin de compte, de l'équilibre de son adversaire, son partenaire en l'occurrence. Et voilà, là, il en rajoute un peu. Et il dit simplement là, c'est pas possible. Parce que là, on rajoute de la force. Et du coup, on sera forcément décalé. Et c'est ce qu'il veut essayer de montrer. C'est que en se plaçant bien, en étant dans le temps, eh bien, on arrive à avoir quelque chose d'une efficacité extrême. Sans effet de manche, sans tout ce que parfois on met en exergue dans le karaté, ce qui n'est pas toujours vrai, tout simplement parce que ça ne peut pas être vrai. Dans les combats de compétition, on retrouve ces effets non de manche, parce qu'à chaque fois qu'il y a un effet de manche, eh bien ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas dans le temps. Et là, on retrouve cette qualité qu'ont les experts ou les pratiquants de haut niveau, de pouvoir être dans ce temps-là. Même si là, c'est ritualisé. Kido, mais en karaté, ce n'est pas toujours quelque chose qui est fait de façon systématique. Nous, c'est une des portes d'entrée dans notre pratique. Et le travail qui est illustré là permet d'en faire une démonstration. On fait un kion multidirectionnel, parce qu'on a du travail multidirectionnel. Mais au lieu de faire un travail multidirectionnel comme on voit tout le temps, Maïté Gyaku,
ou Gyaku Maigiri, Gyaku Maigiri, Gyaku Maigiri. C'est vraiment du basique. Okay. Donc quand moi je vois un sixième dan qui vient avec ça, pour moi il n'y a pas beaucoup de recherche. Donc on peut faire avec notre richesse du karaté, du wado, on a beaucoup de choses à montrer. Donc là on va partir sur le premier mouvement, sur le premier mouvement du numéro 8. Allez, on y va. Allez, on se met dans cette position. Donc cette manifestation est aussi une appellation qu'on a pris avec la Fédération Française de Karaté. C'est qui se nomme le Grand Rassemblement Wado. C'est un rendez-vous dans l'année où tous les pratiquants du style Wado, toutes tendances confondues, de toute origine, se rassemblent. Et on a une super salle là, à l'Institut National du Judo qui nous est prêtée. Et donc ce qui est bien, c'est que nous sommes des intervenants donc bénévoles et nous agissons pour la bonne cause du karaté wadorien. Et je crois que c'est du jamais vu que des experts de toute tendance, de toute école puissent se réunir comme ça ensemble. Et je crois que c'est aussi une façon de montrer qu'on peut travailler avec tout le monde et être sympa avec tout le monde de façon vraiment conviviale. Ça, c'est ce qui ressort vraiment de l'école. Actuellement, nous sommes à 260 aujourd'hui. Et je crois que c'est une super réussite parce que aujourd'hui, il y a énormément de championnats, à droite, à gauche. Nous sommes un dimanche, au mois de février. Donc voilà, réunir 260 karatékas que d'un même style, je crois que c'est une belle réussite. En plus, la fédération nous a bien aidés. Elle nous offre le repas. On a été dans une super salle, la salle du judo, là, qui s'appelle la salle Awazu. On a été vraiment gâtés avec des tables de 8-10 personnes. C'est vraiment exceptionnel. Donc de la position Fudodachi, on se met en Nefantilachi. Donc tu vas. Vous êtes prêts? 1 et on revient. 1 et on revient. 1 on revient. Alors attention à ne pas être lourd dans le déplacement. Il faut toujours anticiper. Dès que vous voyez le démarrage du gars, votre pied arrière il doit partir. Hein, d'accord? Ça démarre, poum! Moi aussi. Hein. Et la jambe arrière, tout de suite elle doit s'enlever. Ok? Allez, on y va. 1 et restez au même niveau. 2. Et ouais, la tête reste toujours dans le même endroit. Hop! Ne tournez pas la tête. Hop! Voilà, maintenant vous faites un soto. Ok, de là, regardez le corps. Pivote, mais le bras gauche va rester au niveau du ventre. Le bras droit, on va amener le coude à hauteur de l'expédient. Allez, 1. Et on revient. Allez, 2. Et on revient. Et 3. Bah, l'idée de ce regroupement Wado est excellente. J'apprécie énormément le fait de pouvoir retrouver les différents intervenants et experts de ce style. Je suis personnellement Kazutaka Osuka depuis déjà plusieurs années, maître Shimizu avant et son père également. Et bah, forcément, il est là près de mon club et donc je suis là forcément avec lui pour soutenir son travail. Voilà. Bah, de toute façon, moi je reprends, j'essaie d'être une éponge au maximum de manière à pouvoir m'imbiber un maximum de ces techniques pour pouvoir les rendre et les faire ressortir à mes élèves. L'idée c'est de pouvoir d'assurer la pérennité du wado et de faire en sorte de pouvoir en faire profiter un maximum mes élèves. Donc bien évidemment, là ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est tout à fait à la hauteur de ce que je pouvais attendre. Donc là, nous allons voir le cinquième Kion Kumite, qui en fin de compte, ce sont des exercices techniques où on va aborder des principes physiques et mécaniques, où le travail des deux, comme on avait dit tout à l'heure sur le principe d'Inasu, et puis d'autres principes qui existent aussi en Wado, vont être utilisés. S'ils sont faits de façon lente, c'est véritablement pour bien démontrer les différentes phases qui se font normalement en un seul temps. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est le... Merci. Comme ils sont faits comme ça, c'est comme le kata. Voilà.
c'est kata besoin de faire exactement comme le kata. Ouais. Voilà, bien, merci beaucoup. Hein. Merci. Ce que j'ai pensé du stage, ce que je pense du stage, un très bon stage, très, très technique. On côtoie pas mal de maîtres, puis bon, on apprend, on est toujours là pour apprendre, et puis, puis très, très, très technique. Conclusion de ce deuxième rassemblement OADO, c'est que nous avons pu travailler toutes tendances confondues en harmonie, ce qui a permis à tout le monde de travailler le OADO RIO avec des approches plus ou moins différentes, personnalisées en fonction des intervenants. Et c'est vrai que tout le monde souhaite donc que ce rassemblement soit renouvelé de manière régulière pour continuer à travailler ensemble le OADO RIO tel qu'il doit être pratiqué dans nos clubs. Ouais, stage ensemblement avec tous les Wado style de France, c'est fini, c'est deuxième fois, c'est, je pense que c'est un plus grand succès. Ouais, c'est tout le monde content. Ouais, ça, c'est spécialement c'est maintenant, c'est du haut de France, il y a beaucoup de Wado qui n'aiment pas beaucoup entre les différents styles de Wado. Hein. Mais France, petit à petit, approche tous les Wado. Ça, c'est très bien. Et voilà, ben, le deuxième rassemblement national est terminé. Et apparemment, ça a l'air d'avoir bien plu à tout le monde. Là, avec 260 stagiaires, déjà, c'est une réussite, malgré les nombreuses manifestations organisées ce dimanche. Donc, je crois qu'on peut être satisfait de cette journée. La fédération également. C'est un point très positif. Je crois qu'ils vont être submergés par des emails de satisfaction de la part de tous les Wado. Donc, c'est à refaire. Et je crois qu'on va faire aussi un stage, un autre séminaire avec Léo Gradé et professeur éventuellement, de façon à essayer d'élaborer une procédure, une marche à suivre pour le Wado, de façon à toujours grimper et pouvoir travailler dans l'unanimité et puis dans une convivialité extrême. Voilà, merci beaucoup.